Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Righteous, où on continue notre exploration du temple de minuit. Pour finir certainement ce chapitre. Nariès ici. Chargez ! Tac ! Ah ! Il y avait un piège. C'est pas grave. Un galu. Un belliqueux. Il y a une grosse épée. Ok, c'est qui donc ? C'est toi. Je suis pas sûr que tu pourras l'envoyer. En dehors. Je sais pas pourquoi elle pouvait pas jouer. Interdit. Interdit pour elle. Oh, le petit critique. Hop. Voilà. Le dragon. Il va venir. Il va venir ici. Voilà. Si on peut le tuer. Avant qu'il agisse. Voilà, ça me va. Ok, après ça va être à lui de jouer. Tu peux. Ça m'a 12 PV. Plus de sang. C'est un démon de corne. Ah, c'est bien, 6 attaques à 50% de chance de réussite. Tout à louper. Voilà, ça c'est fait, j'arrive. Mais comment on peut louper toutes nos attaques à 10? Ça va, on réussit quand même les deux plus, c'est déjà pas mal. Il essaye ça. Bravo. Il nous touche sur du 18, oui. Il est nul. Pourquoi je le touche sur du 2? J'ai compris. Ah. Combat contre qui? Ils sont où? Ah, ils sont là. C'est eux qui nous attaquent. D'accord. J'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Ça déplace vite hein, les bestioles. Hein. Et encore, vous avez de la chance, on n'a pas un cavalier. Vous vous souvenez quand on avait un chevalier hein. Sur cheval là, comment il se déplaçait trop vite. Il était pas noté que j'avais une attaque d'opportunité. Pour ceux qui se souviennent du tout premier let's play qu'on a perdu. Le mec s'est fait exploser. Si ça t'amuse mec. Hop. Y'a pas un petit. Voilà. Oh oui, le petit 32. Oh, par contre, ça ne veut rien faire. Donc tu vas tomber. Tout de suite. Vincent. Ah, on va pouvoir commencer à tirer. C'est très bien. Ok, ça c'est bon ça. Hop. Je suis là. Ham. Ok. Ok. C'est bon? Je peux piller maintenant? Le mage s'est fait exploser quand même. Oh, nice.
Rejeter la serrure 100%. Ah. Dommage qu'elle avait marre de vivre. Opéré, tout explosait. On va peut-être pas aller directement. Voilà. Un coup cri. Parce que je crois qu'en termes de. On en est où? Ouais, on peut pas le voir, je crois, notre corruption. Personne n'a pris de dégâts. Les animaux, ils sont mal en point. Voilà. Est-ce que tu pourrais blesser Micheline, s'il te plaît? Merci. Ok, bon. Je vais faire une petite sauvegarde. Est-ce que je prends ce truc là? Oui, allez. Le corps du soldat de la deuxième croisade s'est entièrement décomposé. Peut-être pas le bon plan à faire, mais au moins nous serons purifiés. Oh, il y a de la lave ici. On rappelle qu'on recherche un balor. Mobilité 23. Ça m'est dit. Un cadavre. On a l'air d'avoir réussi. Un lingot d'or. Mobilité 6, j'espère quand même qu'on réussit quand même. Oui, bah voilà. 432 et 432. Ça fait un petit pactole d'XP. Pas dégueulasse à prendre. Allez. Ah, au bord des abysses. Intercepter les envahisseurs empêchés de pénétrer dans le temple. Et je suis là. Juste derrière vous. Ah oui, d'accord. J'aime pas ça. Hop, moi je vais me barrer. Voilà. Alors, est-ce que tu peux en charger un? Voilà. Très bien. Ça déjà. Est-ce que tu peux le charger? Non, parce que dans le jeu on peut jamais charger. Ok. Donc ils sont partis vers la droite. Donc apparemment vers la droite ça nous permet de retourner là où il y avait les autres. Il y a un piège ici, très bien. Celui qui est debout. En fait, ça a été réglé assez rapidement. Donc là, on doit aller à droite. C'est parti sur la droite. Ah oui, d'accord. En avant! À l'attaque! Hey you, en avant. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir besoin de moi comme la dernière fois ou pas? C'est la question. Hein. Si vous avez besoin comme de moi comme la dernière fois, bon. Aïe, dommage quand même.
Ah. En avant. Aïe. Tu lui. Ok. Vous êtes été hors portée. Ah, d'accord. Mais t'es sûr que t'as besoin de nous? Et là, je veux bien comprendre que t'as besoin de nous. Pas touché. Allez, à l'attaque. Ah, d'accord. Le broc. Vas-y ça. Okay. Ça. Ok, voilà. Au moins ça se régénérera plus. Ok. On va essayer de casser les images miroirs. Est-ce que tu peux charger? Oui, elle peut charger. Quel talent. Oh, il y a un autre truc là. Je n'ai pas vu le Marilite. Ok. Pas sûr qu'il a tapé. Toi t'es où? Ok, ça c'est bon. On va se concentrer sur une seule cible à la fois. Donc je vais attaquer le Marilite. Ah. Ok. 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 Quel talent, les gars. J'admets que vous avez un talent certain. Comment ça se fait que je les touche aussi facilement? Comment ça se fait que je défonce tout le monde aussi rapidement? Est-ce que le jeu s'est mis en mode histoire? Attendez. Tant pis. Hein. On a fait quelques combats en mode histoire, on va pas mourir. Option. Ah non, on est bien en mode dépersonnalisé. Moi ça me va. Hein. Moi ça me va. C'est qu'on est bon aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude que mes gars ils arrivent à leur jet d'attaque. Bon après vous allez me dire, on avait un jet à 10 et on en a loupé 80%. Oui, tu es mage, oui. D'accord, on a bien compris que tu étais mage, Jackie. Voilà. Ah c'est con, j'ai désactivé ton piège. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, hop, regarde, hop, on peut courir. Par contre, elle va faire un sort qui va faire un impact de malade. Donc, il faudrait la foutre au sol. Voilà. Non, c'est relève. Elle peut quand même lancer un sort. Aïe. Elle est pas bien. Ok. Ok, ok. Alors. Il y en a deux portes. Celle-là, elle met nous.
Un escalier. Celle-là mène à un escalier. Okay. De l'autre côté. Là, des adeptes. Un marilite. On va peut-être revenir à l'as. Hein. Ouais, il y aura peut-être la dernière zone où on attaque ici. Par là, c'est certainement pas le final. Le final, il doit être là-bas. Mais passons par ici. F5 quand même. Charge pour la lumière. Pour la lumière. Pour la lumière. Il est que. Il est que. Ils sont nuls comme leurs pieds en fait. Au secours! On a fait une erreur d'appréciation, je pense. Oh, vite! Faut tuer ces saloperies tout de suite. Des merdes, des merdes, des merdes, des merdes, des merdes, des merdes. Ça va répondre. Ça va. Allez. Oh oui, oh oui. Aïe. Arrête. Ok. On va être une seule fois, ça me va. Ok. Cécité. Pas sûr qu'il a fait cécité ce bâtard. Ok, on y va. Allez, 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 allez. Je prends. Ça, c'est bon, ça. Ok, abattez ça. Voilà, là, on retombe sur des vrais jets, là. Pour des jets de on n'arrive à rien, j'aime ça. Il y en avait un là. Ah voilà. Quand j'arrive. Yahoo! Chavani Savitour. Ok. Bon plan ça. Ok, et il retombe. Ça c'est une bonne idée. Pour la lumière. Vas-y, va te taber. Voilà. Tue-le. Yes. Yeah. Allez, 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 allez. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va y arriver. We can do it. On va arrêter avec leur sort à la con. Ah non, tabasse-le. Voilà. Ah, pas beaucoup, ils ont pas beaucoup de PV, by the way. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai loupé un de... J'ai loupé un de plus... J'ai loupé un de plus... Crap. Ok. Ah. Ouvrir porte. Ok. Rassemblement. Ouvrir la porte. À la porte qui mène ici. Très bien. Ok. Ok. Les animaux ont pris un peu cher. Ouais.
rappelle que ses soins, elles, sont plus forts. Parce qu'elle a un bandeau spécial. Oh! Un passage sacré. On a trouvé un passage sacré. Oh! Oh! Des lunettes. L'air d'observation vous permet de garder facilement un œil sur la cible. Porté par un aéon puissant, il confère plus 3 d'utilisation. Oh, mais il faut être un aéon. Et on n'est pas un aéon. On est un Azata. Mais fort. Je suppose fort si t'es un aéon. Je ne sais pas ce que ça fait, regard impérieux, mais. Ok, c'était un petit passage secret. Pas mal pour les aéons apparemment, puisque vous avez un objet pour vous. Donc c'est une brèche ça ou c'est ouais, barrière magique. Cette barrière similaire à celle rencontrée dans le laboratoire. L'air plus dense et plus robuste. Donc il va falloir aller par là. Ah bah c'est peut-être là alors qu'il y aura le... Le boss, ou alors il y a Aerelu Vorlesh, à qui on va pouvoir expliquer à quel point c'est une connasse. Certainement. C'est ça ? Ah oui. C'est vrai que elle, quand on est à côté d'elle, elle donne des bonus. Il y avait des grosses bestias en haut. Mais il est tout seul ! Et il croit qu'il va faire... Ah bah non, il est pas tout seul. J'arrive. Oui. Ah, il était pas tout seul, non? Mais on avait décrété que cette bête, elle faisait juste peur. T'es que là pour faire peur, mec. On le sait. Ça sert à rien. Ouais, enfin, il est que là pour faire peur si on arrive à le toucher, quoi. Ouais, par contre, Aeview tout seul, il va se faire déglinguer. Ok, tu sais. Je sais pas pourquoi elle a volé comme ça, mais. Et qu'une attaque, je sais pas pourquoi. Tuer cette saloperie, ce serait pas mal. Il se tue ça. Voilà. Lui il devient chiant, Jackie. Ça vient de le toucher. Le You va prendre cher. Mission de l'âme. Ah oui, ils ont ça. Fous la merde. Ferme ta gueule. Elle tire combien de fois, Jacqueline, là? Ok. Ok. Ça va? Un petit peu plus d'attaque encore, monsieur? S'il vous plaît? Putain! Vous allez là-bas, cette saloperie? On avait décrété que c'était de la merde. Voilà. Ok, on arrive à Aeview. On arrive. Hier. Pourquoi vous visez toujours le dragon? Vous êtes des méchantes.
Ouais, tu passes à côté. Hop là. Ok, là il y a un passage vers les abysses. C'est bien, Ivy. Continue comme ça, continue d'essayer. On t'aime quand même. Attention le pied. Oui, il passe à côté. Quelle intelligence. Quelle intelligence, ce loup. Ok. Oh là 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 là. C'est bon, voilà. Là, je vous reconnais. Là, je reconnais mon équipe de nuls. Voilà, c'est ça, ça me faisait peur en fait. Je croyais qu'ils étaient devenus efficaces. Non mais ça fait peur, hein. Vous savez pas, vous, d'un coup vos persos deviennent efficaces, comme si on avait changé toute votre équipe. Ça fait peur, hein. Vous imaginez pas vous, à quel point ça fait peur, hein. À côté. Bon, Jacqueline, tu te rends ou tu meurs? Oh, niveau négatif, on n'aime pas ça. Mais il est temps de mourir, madame. Merci. Ok, Oui. De la merdasse, mais c'est toujours ça de prix. Rien d'autre. Très bien. Je peux pas enlever les niveaux négatifs, moi. Je crois que je peux avec une restauration, non? Ah, c'est pas très grave. J'aime pas les niveaux négatifs, mais ouais, bah ça a l'air d'être par là, hein. En avant. J'aime beaucoup ce niveau. Voilà, j'aime beaucoup plus ce niveau que le niveau de merde là, on débène. Et lui il est beaucoup mieux. Je préfère nettement ce niveau. Je vois rien. Des bodacs, des ghouls. Là-bas. Je suis obligé de taper lui. Ouais. Moi vous savez, moi je suis pas difficile. On me dit de taper, je tape. Allez, ça dégage. Ok. Oui. Je peux rien faire. Je peux pas retarder son tour, je peux rien faire. J'appuie sur espace pour passer le tour, ça ne marche pas. Oui. Faire. Il peut rien faire, il a pas de barre d'action, il a rien. Bon. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde juste avant de rentrer dans le trou. Hein. J'espère que je vais pas être bloqué dans le jeu par un bug à la con. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde juste avant d'entrer.
Je peux avancer. Je peux avancer. Et... Ah, voilà. Ça devait être un petit bug. Ça va, ça va. Le résultat pour le moment est similaire à ce qu'on avait, donc ça me va. Ok. Et là, elle va venir. C'est un bug bizarre. Hein. On va les piller. Tout argent est bon à prendre, vous le savez. Un petit F5, ça me va très bien. Alors. Un cadavre. Rebond. Marteau piolet gnome. On va faire plus 3 à toucher un ennemi, ce dernier doit réussir un jet de vigueur pour éviter d'être étourdi et de subir de... Oh, c'est fort. C'est fort. Un vrolaki. Un vrolikai. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est au-dessus du vroc, peut-être? Il y en a quoi? Un bodak. Ça devrait aller. Ah! Il y a lui. Il a fait moins un niveau sur qui? Et il y en a deux. Ça peut commencer à être embêtant. D'accord. Un de plus, hein. Ah, il y a le Navazou derrière, super. Mais bon. Ça, c'est meuf. Ah, moins 4 niveaux. Ah oui, je peux se concentrer sur lui. Au moins 4 niveaux, j'ai pas apprécié. Étonnant, non? Ok, ça c'est mort. Merci. Ok. Il y a d'autres ennemis qui sont apparus? Ok. Ah, dégage. Protéger la commandante. Protège la commandante. Et ça.
ça arrive dans notre dos. Hop. Voilà. Dégage. Dégage. Ok. On va faire le compte des niveaux là parce que ça risque de pas trop le faire. À niveau 10. Ok. Il a pris un niveau. Il a pris un niveau. Elle, elle a pris un niveau. Ok. Moi qui ai le plus mangé en fait. En termes de niveau négatif. Hein. Très bien. Ok. Pas ce qui se passe le mieux, mais. On va certainement pouvoir désactiver cette barrière magique ici. Et ils sont morts. Y a-t-il des démons morts? Allons à gauche, ça me fait un peu peur, mais allons à gauche. Un butin gardé par quoi? Un ténèbre. Comment cette saloperie? 49 de CA. Pas sûr que je puisse le battre. I will see this through. Defeat is not an option. Oui. Ouais, plus sur du 20, ouais. Compliqué. Il doit y avoir des bons objets. Ah mais il est pas tout seul. Ah. C'est pas prévu ça. C'était pas prévu. Ah, c'est un camouflage, d'accord. Ok. Non mais j'ai... c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, on va pas aller le voir tout de suite. On est par là. Par là, on est très bien. Il se passe quoi ici? Grand chose, voilà, voilà. C'est ça. Voilà, là, là c'est raisonnable. Enfin la corde qui sert à quelque chose. Hein? Ah, on est obligé de le battre. Parce que là on retourne...
Là où il y a la fameuse barrière magique qu'on ne peut pas détruire. Donc on est obligé de le combattre. C'est marrant, ça a l'air accessoire. Une blessure. Le combat risque d'être relou, cependant. Alors... Ça lui a fait du dégât. On ne sait pas. Il n'y a pas l'air. Ok. Et... Il a une défense à la magie en plus. Tuer, hein. Vous pouvez réussir tes... Ah merde, il y en a encore une. J'ai pas vu. De résistance à la magie. Ouais. Moi, voulez-vous le battre? Je ne peux pas le toucher. Tu m'étonnes que ça va donner 52 000 d'XP, ouais. Ah, il a 10 de guérison. En fait, je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer? Comment voulez-vous que je fasse? Un truc.
peut pas le tuer, on peut pas le tuer, on peut pas le tuer, et on est obligé de le tuer pour passer. C'est pas possible, c'est pas lui qu'on doit tuer. Il est intuable, il est intombable. Je le touche une fois sur 20. Et on a vu, j'ai dissipé les trucs, ça ne dissipe rien du tout. Ça dissipe un sort. Vous avez vu tous les bonus qu'il a, je peux pas tout dissiper un par un. Hein. Ce n'est pas possible. On va me dire oui, mais prépare-toi, mets-toi une béné. Oui, béné c'est plus un, hein, s'il vous plaît, quand tu dois faire 20. Bon, il faut être honnête. Hein. Non mais si, tu as aide. Oui, c'est plus 1, oui. Je dois faire 20. Et si Bene et Ed ça se cumule, normalement ça se cumule pas, je passe à 18. Ouais. Et il y a le camouflage. C'est bon. Vraiment, il faut arrêter les conneries. Hein. C'est pas. On peut pas se préparer avec des Bene sur ce boss. Non mais il doit y avoir un moyen de passer ça parce que. Sinon, je vois pas. Ça peut pas être lui, il est pas dans un chemin. Ça a pas l'air d'être le chemin principal. Donc il doit y avoir un moyen de désactiver ça ici. C'est obligatoire. Je vois pas comment. Ça peut pas être lui la solution. On était aux étages inférieurs du temple. Je sais plus si on l'a fait. Je crois qu'on l'a pas fait. Hein. Ça peut pas être lui, la solution elle est beaucoup trop forte par rapport au reste. Si on l'a fait. Ah oui. Ben, je vois pas comment on passe. Descaries, Baphomet et Noctil. Ah oui, j'ai les clés. Noctila. Clé s'en sert parfaitement. La clé des Descaries. Il fallait trouver les trois clés. Ok. C'est logique, hein. Mais... Ah. Soudainement, votre vue se brouille. Vous avez l'impression que des géants tambourinent sur vos tempes, tandis que la douleur lancinante vous transperce la poitrine. Des flots de sang s'écoulent de votre plaie qui est recouverte au pire moment possible. Qui s'est rouverte au pire moment possible. C'est à la présence des abysses à proximité. Vous pourriez presque les toucher. Toute la malveillance et la pression qui en émanent. Lentement, comme avec une réticence, la plaie se referme, mais la douleur demeure. La salle porte les traces de la fureur du Balor. Le sol est jonché des restes sanglants de plusieurs démons réduits en charpie. Et les survivants terrifiés sont agglutinés contre les murs. Minago agenouillé a le visage couvert de sang. Possible de déterminer s'il vient du carnage du Balor ou du pentagramme inscrit sur le front de la Lilithu. Let me into the rift, Tarazant. We're all going to die here. Trying to fight back. It's madness.
Minago qui va enfin crever. No one goes into the rift. You will fight, all of you, or else. Ah, le Balor lance un hurlement. Je ne laisserai personne retourner aux abysses. I told you, Terezant. Now you're going to die, and they'll hang your horned skull on the walls of Drezin. You and your little troop made a fool of me at the Battle of Drezin. Finally, I can make you pay. Finally. C'est barré. Elle est toujours pas crevée, hein. Elle va être dure à crever, je pense, Minago. Ok, alors attention, c'est un Balor. Les Balors, c'est très fort. On va le toucher sur du 20. Je peux charger ça, mais je vais le faire. Voilà, comme ça, je la tabasse. Et voilà. Comme ça, déjà, il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que Darazan. On va le fumer. Ok. Vas-y. Oh oui, pas touché. Allez, le petit 41 qui fait du bien. Oh oui, et puis on a des alliés, il y a la reine Gallifrey et tout qui arrive. Oh oui. Il s'est fait découper. Il s'est fait découper. Il s'est fait découper. Ah. Oui, viens à nous. Je n'aurais pas peur. Je n'aurais pas peur. Je n'aurais pas peur. Ça, c'est que sur moi. Vas-y. T'es nul comme un manche à balai, toi. Elle est pas morte. Elle est encore en vie. Elle est juste au sol. Est-ce que tu peux... Ah non, t'es trop loin. Ok. Refais-lui la lumière des dieux. Comment ça, cible inaccessible? Mais j'ai pu le faire tout à l'heure. Il a mis qui au sol, là? J'ai pas vu. Personne de chez nous. Tape fort, hein. Oui. Continuez comme ça, les gars. Il est trop fort. Reste là à te régénérer pour le moment. Oh, le petit 39 là qui est passé. Banni. Est-ce que je me transforme en dragon? C'est passé. Ça aussi c'est passé. Pourquoi c'était si inaccessible? Et j'ai pas bougé, hein. Tout ça parce que j'allais le tuer certainement. Non, elle est tombée cette fois. Il l'a fait tomber.
Pour le bon. Merde, quel con. Abattez-le. Abattez-le. Légolas, abattez-le. Abattez-le, Légolas. Abattez-le, Légolas. Ah là 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 là. La lumière de Dieu. Oui. Est-ce qu'elle est pas morte? Pas grave, on la raise, hein. Enel. Rifts are usually chaotic and unstable. That's why I've been plagued by one question. How could demons have created a stable, permanent passage from the abyss here in the World Wound? And as I stare into the flames of the rift itself, the answer still eludes me. What is the secret to this canker festering at the very heart of our world? How can we heal it? My friends and comrades, the time has come for us to discuss something of the utmost importance. It is here, on the threshold of the abyss, that I must announce an important decision before you all. But first, we shall talk about you, Commander. About how well you have discharged the duties I entrusted to you. Merci, merci. My righteous sister in faith, must these discussions take place now at such a moment? The enemy is watchful, and its forces are great. That is what we must turn our attention to, not scrutinizing our fellow crusaders. In the 100 years that this war has lasted, not a day has gone by when I haven't thought about how we can win it. That is precisely why we cannot delay the conversation any longer. Vous écoute, Marine. Your forbearance is most appreciated. As the Queen, I have no complaints about how you are waging a war against the demons. Merci. However, as your friend, I must confess that your mythic powers are too unstable. I cannot fully trust them. I fear they will stand in the way of our friendship. A commander's absolute priority is leading the Crusader armies. And I cannot help but notice that you have handled this part of your responsibilities well. Merci. I cannot but notice your strange choice of companions. The good gods teach us to seek the light even in the darkest soul, and to believe in redemption. But it is one thing to believe in the good intentions of a murderous succubus, and, for example, send her to a temple of Desna to be cared for by experienced priests. But it is another matter entirely to take the demon with you to the front lines, where one well-timed stab in the back could put a tragic end to our entire Crusader cause. It is unthinkably reckless. Racist! With all due respect, my lady, Arushalay has proven herself to be a faithful and reliable comrade. She has fought bravely for us, and we both want to see the demons defeated. Is there any reason to reproach the commander for accepting her into our party? You can find reasons aplenty in any Mendevian cemetery, Sela. Each one is full of the graves of those who were deceived by demons. Une amie loyale. Voilà. Your words carry a ring of truth. The example of one malefactor changed for the better could do more for the Crusades than a dozen paragons of faith. Thank you. I can't believe you really said that. Mais si, tu es ma femme. Vous êtes toutes mes femmes. I also wish to mention what you did with Iomedae's banner, the Sword of Valor. This sacred relic, handed to you to defend the city against the demons, has become a reflection of you. I do not know how you managed to distort its features, but I cannot overlook it. I only pray that Iomedae will forgive us all for this most improper treatment of her relic. Si elle était pas contente, il nous aurait tabassé, hein. That is all I wish to say. And now, to some... Well, apart from the matter of the succubus in your party, which we have just clarified, I find nothing unworthy in the manner in which you have fulfilled your responsibilities. Which is why it pains me all the more to announce that I am relieving you of your post. You are no longer the leader of the Fifth Crusade.
Essayez de me dire sur les remparts, vous vouliez me faire comprendre, vous aviez devoir m'enlever de mes fonctions, à votre cœur défendant. Contrary to my wishes. Je ne crois pas que vous devriez me retirer le titre de commandante. Vous l'avez dit vous-même, ma reine, j'ai rempli mes devoirs, au-delà de vos espérances. Oui, bah lui, ferme ta gueule, toi. Lui, il sert à rien. I deeply respect the desire to bring discipline to the Crusades. But not all the accusations you level at the commander are guided by that desire. My righteous sister, you are entitled to make such a decision, but please reconsider whether this is the right one. She is not just the Crusade commander. She is our hope. Our only hope. Our only hope is she? I see you do not value me or the other heroes of the Crusade very highly, my righteous brother and comrade. Mais toi, t'as jamais rien réussi en 100 ans, espèce de blondasse. Forgive me. I overreacted. You are doubtlessly right, my brother. As are you. I shall let you retain the formal title of leader of the Crusade. It would be wrong to take it from you. But I shall still be taking over command of the armies. Hold your objections. There is a reason for this. Thanks to the book recovered from Arilu Vorlish's laboratory, we know that the rift before us cannot be closed until the first and main rift is closed. The one that lies in the Threshold Fortress. So, for the safety of Drezin, I shall have to destroy all the exits out of the Midnight Fane. And block everything here, so that demons coming through this indestructible rift cannot descend upon Drezin again. This is a forced measure. I am doing it for the safety of the city. But this won't solve the problem. We should... No, we must. Track the demon's path and settle this issue once and for all. And that means venturing into the abyss. No one but you, with your unique power, can handle this task. That is why I shall take over the command of the Crusader armies, and you will journey forth on this great mission. Vous détruisez le temple et tout accès. Comment pourrais-je revenir sur Golarion? Don't worry about that. I will go with you, and I know the secrets of traveling between planes. I have also been to the abyss before, and I have fought the beasts that dwell there. My sword and my experience will help you on this mission. Puisque nous n'avons pas d'autre choix, j'irai. On va voir. J'irai dans les abysses, mais n'imaginez pas une seule seconde que j'oublierai la manière dont vous m'avez traité. Et que le problème des cristaux naïdriens ne sera pas réglé, nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Je vais me rendre dans les abysses. We will go to the abyss side by side, champion. And Drezin will greet us with jubilation on the day of our return. Wish me luck as well. Until next we meet. Oui, elle a survécu. Ok. Attendez, il y a du pillage à faire. Ah, je pille. Une amulette. Un cimetière. Alors, attendez. Du plus récent. Alors, pièce d'or portant la marque de Baphomet. Menace de mort, cette amulette d'armure naturelle plus 3 applique les effets du sort rapidité pendant 2 des 3 rounds lorsqu'une mort se produit à moins de 10 pieds. Effet renouvelé à chaque décès. Dès qu'il est disciple, le personnage ne peut plus effectuer d'attaque à main nue ou avec une arme pendant 1 des 3 rounds. Il faut que tu massacres les gens, quoi. Tempête explosive. Une terre plus 4. Cimetière plus 4, inflige 3 décis dégâts de feu chaque fois qu'il inflige un coup critique confirmé. Il émet des étincelles qui s'échappent des armes. Justement. Alors, moi je peux porter les cimetières, mais je sais pas me battre. Elle sait pas porter les cimetières. Elle oui. Elle non.
Elle, oui. Ouais, mais un cimeter, c'est pas une arme de finesse. Si on se met là, on est à plus 12. Ouais, plus 14 quand même. Vas-y, prends ce cimetière, Jacqueline. Après, ça aurait pu être très très utile sur elle, mais le problème, c'est que... Bon, bref. Ok. Tire pour les abysses. Un chapitre. The commander has stepped through the rift, and now there is no going back. Onward, to solitude, to the unknown, to the abyss. Oui, nouveau chapitre, chapitre 4 sur 6. Ça va aller. Ah, je deviens encore plus puissant. Oui, bah... Hein. On entreprend des dragons. La seule qu'on n'a pas pu faire. Tant pis. Championne, c'est extraordinaire. J'ai ressenti un afflux du pouvoir qui vous habite à l'instant. Vous avez audacieusement franchi la faille. J'étais en train de vous suivre dans les abysses, mais soudain... J'ai l'impression de me retrouver dans les étendues bénies du plan supérieur. Voici donc où mène cette faille, au royaume du plus fourbe et de tous les seigneurs démons. Je connais cet endroit, mais croyez bien que cela ne m'apporte ni joie ni consolation. J'étends dans les profondeurs du multivers, hors de portée des rayons du soleil qui apporte la vie. Vous ressentez toute la distance qui vous sépare à présent de sa reine Rae et le goût qu'elle lui inspire tout ce qui vous entoure. Aiviou regarde autour d'elle. Ce serait une femelle. Apeurée, puis essaie de se rouler en boule. Vous pouvez me dire au sujet de cet endroit. Il s'agit des îles de Minuit. C'est le royaume de Nocticula, la dame des ombres. Toutes les régions des abysses sont abjectes à leur manière, mais ici nous marchons littéralement sur des cadavres. Sur les cadavres des seigneurs démons assassinés par traîtrise. Chacun des monstres que Nocticula a tué est devenu une île, comme celle sur laquelle nous nous trouvons. Cet endroit semble avoir été spécialement pour perturber le cœur et les âmes des justes. La preuve, le seigneur démon sont nos ennemis et leur mort devrait nous réjouir. Mais je regarde le ciel noir et je me rends compte que la mort du mal a parfois engendré quelque chose de pire encore. Pourquoi le tuer d'autres seigneurs démons? Pour le pouvoir. Chaque meurtre commis agrandit le royaume et accroît sa puissance. L'âme des ombres est impitoyable et douée d'une ambition démesurée. Si l'archipel est-elle considérée étendue pour des millénaires? Qu'est-ce qu'il y a comme rapport? Je l'ignore. Avant, l'idole que nous avons vue dans le temple de Minuit, je n'avais encore jamais remarqué les traces de son influence dans la plaie du monde. Pour autant, cela n'a rien d'étonnant. La Dame des Ombres apprécie la fourberie, le subterfuge et les complots sournois. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle aide secrètement Baphomet et Descari. Je me méfie ici. Méfiez-vous des ombres, de toutes les ombres. Nous sommes dans les abysses, le plan du chaos et du mal. Notre mission est comparable à celle d'espions envoyés par le territoire ennemi. Nous n'avons pas notre place ici. Tout ce qui vit et tout ce qui peut... Tout ce qui vit et qui ne veut pas vous oxyre sur le champ cherchera à nous tuer lentement ou à se servir de nous pour d'horribles desseins. Il est dommage que nous ne puissions pas compter sur la protection de l'épée du courage ici, ni sur celle de son porteur. Vous avez sans doute déjà remarqué... que tout semble différent à l'égide sacrée et la bannière. Quel est notre plan? Nous devons trouver la source des cristaux naïdriens et la détruire pour de bon. Si tant que cela soit possible, nous savons que ces pierres ont été transportées jusqu'à la plaie du monde à travers les failles. Nous avons emprunté. Nous devons faire dans l'immédiat, c'est une reconnaissance des lieux.
Nous devons comprendre ce que nous réserve cet endroit et ce qu'il et qu'il y faisait avec les cristaux, s'il les fabrique, les extrait ou le faisait venir d'ailleurs. J'aimerais également savoir ce qui est responsable des démons de ce côté de la faille. Il doit en rester des traces, des documents, voire des témoins. En avant ! C'est sur vos gardes, championne. Je vous attendrai. Ok. Wow. Wow. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.